Voici l'histoire de Pierre et le loup. Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre. Comment ? Eh bien, c'est très simple. Chaque personnage de l'histoire sera représenté par un instrument différent qui jouera une petite phrase musicale facile à retenir. Ainsi, vous pourrez reconnaître sans peine l'oiseau, le canard, le chat, le repère, les chasseurs et, naturellement, Pierre et le loup. Essayons. Par exemple, l'oiseau, ami de Pierre, ce sera la flûte légère et gazouillante. Le hautbois mélancolique. Et le chat aux pattes de velours, la douce clarinette. Quant au grand-père qui bougonne dans sa barbe, c'est le basson grondeur. Et à la fin, les chasseurs tireront des coups de fusil. Vous entendrez alors les timbales de la grosse caisse. Mais nous allions oublier Pierre, notre héros. Joyeux et souriant, le voici représenté par les instruments à cordes de l'orchestre. Et enfin, que manque-t-il à notre tableau ? Le grand loup gris qui sort du bois. Écoutez les trois corps sévères et sombres. Pierre, le loup, l'oiseau, le canard, le chat, le grand-père, les chasseurs. Et maintenant, voici l'histoire. Un beau matin, Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les grands prés verts. Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau, ami de Pierre. Tout est calme ici, gazouillait-il gaiement. «
heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin. Il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare au milieu du pré. Thank you.
Et déclara que les grands garçons comme lui n'avaient pas peur des loups.